Et lamproies marines, comme les fluviatiles, sont des poissons migrateurs. Les lamproies ne sont pas des poissons au sens strict du terme. Elles auraient existé bien avant les poissons et a fortiori avant les dinosaures. Elles font partie d'un groupe de vertébrés très primitifs. Elles ne possèdent ni mâchoire, ni écailles, ni nageoire paire. On les appelle pour cette raison agnathes ou cyclostomes. La grande innovation de ce groupe est sans aucun doute la formation de vertèbres calcifiées et d'un crâne. Les raisons qui pourraient expliquer l'apparition de ces os demeurent encore obscures. Il ne fait sous aucun doute que le crâne et les vertèbres offrent une protection au cerveau et à la moelle épinière. La forme de leur corps ressemble étrangement à celle de l'anguille. Elles ont une sorte de bouche circulaire munie de dents fonctionnant comme une ventouse. Elles possèdent à la place des habituelles branchies chez les poissons 7 paires d'orifices respiratoires de chaque côté de la tête, chacun doté d'une poche branchiale en forme de sac. Une autre particularité est une petite ouverture située sur la tête, appelée narine céphalique. Cette narine n'ayant aucune communication avec la bouche, elle communique avec des sacs olfactifs en relation avec l'encéphale. Les premières lamproies arrivées sur les frayères sont en général les mâles, reconnaissables, entre autres, par un bourrelet dorsal plus prononcé que chez les femelles. Il est appelé corde. Lorsque les femelles arrivent sur les lieux de reproduction, elles participent également à la construction du nid. À l'aide de leur disque buccal, elles déplaceront un à un des centaines de galets. Les galets sont soit empilés en aval ou en amont de la cuvette formée. Les galets déposés en aval de la cuvette peuvent atteindre une cinquantaine de centimètres de hauteur. Cette muraille, ainsi construite, est suffisamment élevée. Elle assure un écoulement bien particulier, nécessaire et indispensable pour la reproduction. Une fois prête, la femelle se fixe sur un galet et le mâle vient enlacer sa partenaire pour assurer la fécondation des œufs. À chaque acte de ponte, soit environ une dizaine de fois, et cela jusqu'à l'épuisement total des individus, seuls que quelques centaines d'œufs seront expulsés. Les œufs ou ovocytes, éjectés à chaque accouplement, viendront se fixer au substrat et dans les interstices des galets. La présence de petites vandoises, de vairons ou d'autres poissons seront un rendez-vous autour du nid, occasionnant le début de la prédation. Et à chaque ponte, ce sera la curée générale. C'est au bout d'une dizaine de jours que les géniteurs complètement exténués par cet acte de reproduction vont atteindre leur mort, inéluctable. Pour eux, il n'y aura pas de voyage de retour. Seuls les jeunes lamproies marines retourneront vers l'océan pour y grandir et revenir dans les cours d'eau pour leur dernier voyage. Une autre lamproie, la lamproie de plein air, appartenant également à la famille des agnathes, comme la lamproie marine, n'est pas quant à elle un poisson migrateur. Elle est de couleur bleu-verdâtre avec des flancs jaunes et un ventre blanc. Sa bouche également ne possède pas de mâchoire, mais une ventouse munie de dents aux formes particulières, lui permettant de s'agripper aux rochers.
les nageoires dorsales et caudales se touchent. Sa taille moyenne est de 8 à 10 cm pour un poids de 2 à 5 g. Sa maturité sexuelle est de 5 à 6 ans. Sa durée de vie est de 6 à 7 ans. Elle vit principalement dans les têtes de bassins et les ruisseaux. Elle est sensible aux activités anthropiques. Cette espèce est très exigeante vis-à-vis de la qualité de l'eau, de la température et de la qualité du substrat. Elle ne tolère pas le colmatage par les matières organiques, ce qui mettrait en péril les individus au stade larvaire. Les larves de l'amproie de plein air ou amocète filtrent le microplancton et les débris organiques qu'elles trouvent dans le substrat. Les adultes, quant à eux, ne s'alimentent pas. La reproduction se déroule en mars-avril, lorsque la température de l'eau est comprise entre 8 et 11 degrés. Les femelles et les mâles construisent également un nid de forme ovale de 4 à 10 cm de profondeur, sur des zones de sable et de gravier de granulométrie de moyenne à fine. Le mâle s'enroule autour de la femelle qui est fixée au fond grâce à sa ventouse. Plus de 30 individus de la même espèce peuvent s'accoupler en même temps. Les adultes effectuent des migrations de plusieurs centaines de mètres pour trouver des zones favorables de frais. Lors de la copulation, des pelotes d'individus se forment. Les mâles entourent les femelles avec leur queue et se fixent sur elles, grâce à leur disque buccal. La fécondation est externe, la femelle peut prendre environ 1500 œufs. L'incubation est courte, elle est de l'ordre de 3 à 4 jours. Les lamproies de plein air passeront presque toute leur vie au stade larvaire, enfoui dans le substrat limoneux, pendant environ 5 à 6 ans. Puis la métamorphose se produira, à l'automne. Les larves émergent et deviennent adultes uniquement pour la reproduction, qui aura lieu quelques mois après. Les lamproies de plein air meurent définitivement quelques jours plus tard, faute de ne pas s'alimenter pendant cette phase de reproduction.